Bonjour, on se retrouve ici pour parler des arts numériques. Donc je vais laisser la parole à Mathieu Diac qui va nous présenter les trois œuvres qu'on a vues. Donc aujourd'hui nous avons vu trois œuvres, donc Breathe, Fresque et The Human Device. Et ces trois œuvres étaient basées sur le thème des capteurs et c'est des œuvres interactives. On devait jouer avec pour les mettre en ville et les mettre en action. Donc moi j'ai préféré l'œuvre Breathe parce qu'on peut voir à travers cette œuvre que l'humain a des conséquences sur la lumière et le vent. Donc il y avait des ventilateurs, 150 ventilateurs avec des capteurs et une lumière qui avec chaque lorsqu'on cachait un capteur lorsqu'il n'y avait plus de lumière sur le capteur, le ventilateur se mettait en route. Et voilà. Moi j'ai bien aimé No Human Face parce que c'était bizarre. Les sons, les formes qu'il y avait à l'intérieur. Moi j'ai pas spécialement aimé une œuvre en particulier. Mais parce que les trois se ressemblent, on a besoin de nous pour voir ce que ça fait en fait. Moi j'ai trouvé que les trois pièces étaient similaires, mais il y en a une qui est sortie du lot, Fresque, parce que on a pu remarquer que il n'y avait pas de personne supérieure aux autres, donc en gros on était tous acteurs dans l'art. Moi j'ai aussi préféré Breathe, donc je te rejoins aussi Arnaud. Parce qu'il y avait peu de moyens qui étaient mis en place par rapport aux autres œuvres, parce que les autres avaient besoin d'informatique, d'ordinateur, tout ça. Il y avait quand même un très joli résultat et qui donnait une bonne impression, quoi. Moi aussi j'ai préféré Breathe parce que c'était fascinant de pouvoir contrôler un peu les coups, la lumière bleue qui sortait des ventilateurs. Et je trouvais ça aussi fascinant que c'était des petits capteurs tout simples qui pouvaient faire ça. Alors Breathe c'est un art numérique, c'est des capteurs sur des ventilateurs et dès qu'on s'approche, ça il s'allume et il bouge aussi. Après il y a ça peut être aussi un capteur d'ombre, tout simplement. L'art numérique c'est quand même quelque chose on ne connaît pas trop mais c'est quand même joli parce que comme on regarde Breathe, c'est quand même. C'est joli de voir ce qu'on fait. C'est comme une interaction avec l'environnement et ça c'est intéressant de pouvoir changer l'environnement simplement avec le mouvement et les captations. Donc ça je trouve ça très intéressant de jouer avec la lumière, l'environnement et voilà. Ouais parce qu'avec l'art normal on peut pas le faire. Quand on regarde une œuvre, une peinture, un tableau, on peut pas interagir avec l'œuvre. Alors que là le numérique, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Puis c'est. On voit pas ça tous les jours, on voit plus de l'art contemporain, etc., des tableaux, des machins, que de l'ordinateur et des capteurs, et ça change, quoi. Donc c'est bien. Non Human Device, nous pouvons remarquer qu'il y a un capteur, une boîte rouge, qui fait que lorsque l'on approche la main ou un mouvement, ou qu'on la touche, ça change soit la musique, soit les mouvements, on dirait des empreintes de main sur. Sur l'art en face. Europe et japonaise connectée à des capteurs en Europe et au Japon, des capteurs principalement d'environnement, plus d'installation. Et on voit que nos silhouettes sont intégrées dans l'installation. Elles apparaissent ici, elles apparaissent aussi au même endroit. Qu'est-ce que ça évoque chez vous quand vous vous retrouvez face à une installation comme ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Moi je trouve ça beau. C'est intriguant. C'est intriguant. Moi je trouvais bien parce que c'était un peu tout le monde entier qui était relié et des informations du monde entier. C'était une fenêtre sur le monde, comme il disait. Non, en fonction de la température, les couleurs changeaient et tout. Ouais, c'est bien, c'était une œuvre en temps réel.
ça nous permet. On retransmet avec les lumières, les mouvements de l'homme. Genre en fait j'ai l'impression qu'en gros là t'as la scène qui est par exemple au Japon. Et genre en gros il va t'intégrer dedans. Genre tu vas faire partie du paysage au Japon de ce qui se passe là-bas. À partir de là, c'est chaud. Ouais. La pollution autour. Ouais. Gros, c'est un streaming. Mais c'est plein de capteurs en fait. Ouais, c'est en gros, c'est une vidéo de qui se passe sur mais non, il y a pas, c'est pas une vidéo. En gros, par exemple, on va aller voir ça, par exemple, on peut filmer au Japon. Non, c'est ça, en gros, c'est ce qui se passe là-bas. Tu as les images. Bah ouais, mais c'est ce qui se passe, il faut le capter, il faut l'entendre. Faut comprendre ce qui se passe là-bas. C'est quoi les sortes de petits moulins là? C'est des ventilateurs d'ordinateur. Ouais. Au tout il y en a 150. 150. Et avec des petites LED bleues et des capteurs. Qui sont reliés à des capteurs. Donc on fait un mouvement de vent. Ça s'allume. Et pourquoi c'est ventilé? Et pourquoi c'est bleu le mur? Parce que c'est des LED bleues. Et quand même, bon. C'est pour rappeler l'électronique. D'ailleurs c'est un bleu électronique. Ouais. Un bleu électrique. Puis tout cela marche avec un grand projecteur avec de la lumière. Ah, exactement, ouais. C'est parce que je crois que ça pas. Ouais, parce que ça détecte l'ombre de la lumière. Exact. J'ai l'impression que c'était un sorte de miroir parce qu'en fait on se voyait dedans. Ouais. Au final, chaque mouvement était reproduit un peu comme un miroir. Ouais. Et en plus de ça, il y avait le petit ventilateur dans des lits.